cette vidéo, nous allons vous parler un peu de notre expérience en France. Lorsqu'on est arrivé, la barrière de la langue représentait vraiment une difficulté pour communiquer. Nous avons d'abord étudié le français à Vichy en logeant chez une famille d'accueil. Et oui, au début, on parlait assez mal. Moi, je me sentais comme un enfant de 2 ans qui était en train d'apprendre le français. J'appelle Fabio, je viens d'arriver. Et toi, petit garçon, comment vous appelle? Maman, il est un bien mental. De plus, on vous parlera de quelque chose qui est pour nous, Brésiliens. Mexicains. Ce sont vraiment bizarres. Par exemple, il y a quelques magasins qui n'ouvrent pas le dimanche. Par exemple, le supermarché Leclerc. Et c'est complètement bizarre parce que ce jour-là, le dimanche, c'est un excellent jour pour que les gens fassent le cours. Quand j'habitais à Vichy, la boulangerie à côté du cours des Français fermait pendant l'horaire de déjeuner. Quoi? Mais attends, ça c'est pas le pire. La banque BNP Paribas n'ouvre pas les lundis. Pourquoi? En parlant de ça, j'ai remarqué que l'infirmerie de l'école ferme les mercredis et les vendredis après-midi. Et bien sûr, parce que personne tombe malade ce jour-là. Encore sur le sujet de la santé, est-ce que tu as déjà remarqué que les Français fument beaucoup? Ah oui, dans les trains, ils n'attendent même pas que le train s'arrête pour mettre leur cigarette dans leur bouche. Putain, ça m'énerve. Ça drôle. L'autre jour, en fait, j'ai vu un Français qui fumait à l'arrêt de temps. Les trains, quand il est arrivé, et il n'avait pas encore fini sa cigarette, donc il ne voulait pas la jeter. Et donc, il a commencé à appuyer frénétiquement les boutons de la porte. Ah, pour maintenir la porte ouverte. Ouais, exactement. Ah, je comprends. Ouais. À cause de la fumée, les vêtements des Français puent. Ah bon? Mais c'est parce que tu n'as jamais été dans un cours de danse. Malheureusement, il y a toujours quelques filles qui puent beaucoup. On dirait qu'il y a une souris morte à 3 jours avec un camembert pourri sous ses bras. Désolé, mais c'est vrai. Ouais, la douche, ça ne fait mal à personne. Pour nous, les lusophones, les hispanophones, c'est parfois dur de prononcer quelques phonèmes français. Tu veux
chez vous. Jeune, jaune. J'imagine une phrase marrante. J'ai des jeunes cheveux avec des cheveux jaunes. Dans tes trucs, madame, ce sont les Français en disant des mots en anglais. Par exemple, challenge. Salut, André. Salut, ça va? Est-ce que tu vas au challenge Lyon ce week-end? J'irai où? Au challenge. Mais c'est quoi ça? C'est challenge, quoi. Challenge. Ok. Ok? Hockey. Ou sinon, Beatles. Beatles! Ok, d'accord, ça c'est l'anglais. Par contre, on remarque ici à Nantes, les gens ont une manière très particulière de dire quelques mots. Par exemple. Bonjour, il pleut, mais c'est toujours comme ça à Nantes. Bonsoir! Et il pleut encore. Et fond du cul, bah, donc, voilà. Ok, parfait. Sans répétition, allez, allez. Pour le France.